Ouais, ouais, vas-y, mets la musique, ouais. Bad, 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 ébondissant. Ah, oui, c'est moi. Actes Sud est une maison d'édition de renommée internationale. Le Méjean est un cinéma qui se situe dans l'immeuble de la librairie. Pour L'amour dure 3 ans, le public arlésien s'est trouvé confronté à 3 auteurs et comédiens. Le débat au sujet du film a été aussi une suite de questions sur la personnalité de ces acteurs qui ont participé à l'édifice de la mise en image du livre de Frédéric Becbédé. Entre curiosité, admiration et sympathie, les cinéphiles arlésiens ont voulu témoigner sur ce long métrage qui sera en toute évidence la comédie de ce début 2012. C'est parce que c'est nous, Rire et Chanson. Merci Thoreau. L'acteur principal qui interprète le rôle, on pourrait dire, de Frédéric Becbédé dans le film. Non, Marc Maronnier. Le rôle de Marc Maronnier, Gaspard. Bravo. Et enfin, pour compléter l'équipe du film, Joey Starr. Bravo. Pourquoi vous choisissez dans chacun de vos films des gens qui, outre le fait que ce soit des très bons acteurs, mais qui vous ressemblent quand même particulièrement? Alors, pas du tout, je suis beaucoup moins beau que Gaspard. Oui, bien sûr. Vous faites référence à un film qui n'est pas de moi, qui est de Yann Kounen, 99 francs, avec Jean Dujardin, mais que Jean Dujardin non plus ne me ressemble pas, je suis beaucoup plus beau que lui. Non, il s'agit d'interpréter des personnages d'anti-héros, d'alter-ego, ou d'avatar, comme on peut dire. Allons-y, avec un peu moins de budget que dans le film de James Cameron. Et c'est un... c'est intéressant ce que je dis. C'est un exercice de style qui consiste à faire un petit peu comme du roman autobiographique, mais à l'écran. Quoi. Donc évidemment, c'est plus intéressant si la personne a une certaine proximité dans le mal-être. Mais oui, c'est plus intérieur que physique. Oui. Ouais. Pas... Après, physiquement, c'est vrai que comme par hasard, on a une symétrie dans la nasalité et le bas, quoi. La mentonitude, voilà. Oui, mais c'est vrai, vous avez... Mais j'espère que ça n'est pas qu'un exercice narcissique, même si le narcissisme est évidemment un des grands moteurs de mon œuvre. Ouais. Une question ici encore. Pour Joey Starr, alors c'est quoi le plus dur pour vous? Chanter devant le zénith complet ou jouer le rôle d'un personnage? Ah bah c'est pas du tout la même chose. Hein. Quoi qu'il arrive, je mets pas du tout ça en balance. On est un peu plus dans l'immédiat quand on fait de la scène. Après on se met à disposition d'un metteur en scène, d'une histoire. On fait partie, on est un rouage d'une histoire. C'est pas du tout la même chose. Quoi. Maintenant, quand on a l'habitude de faire des tournées, on est un petit peu en vacances quand on fait du cinéma, j'ai envie de dire. Mais bon, il y a des moments très intenses. Voilà, quoi. Le truc, c'est que ce soit, pour l'instant, quasiment tout ce que j'ai fait, on a fait des petites choses en impro, tout ça. Donc ça demande beaucoup de... Enfin, faut être là, faut être avec le metteur en scène, faut être à l'écoute, faut être... Donc il n'y a pas... Je ne mets jamais ça en balance et je ne ferai jamais quoi qu'il arrive. C'est pas du tout la même chose. Ouais, je voulais juste compléter la réponse de Didier. C'est vrai que aussi, ce qui m'intéressait moi chez eux deux, c'est qu'ils sont pas des... Et je le prenais pas mal, mais c'est pas des comédiens professionnels, c'est plutôt des personnalités. Gaspard, c'est son premier film. Didier, c'est aussi mon premier film. Presque. Mon premier meilleur film. Voilà. Non, il y a un... c'est plus intéressant peut-être pour moi qui débutais d'avoir des gens qui ont des vraies présences. Et sans être critique à l'égard des gens qui ont fait des années de cours de théâtre, ils ont aussi une différence, une originalité une liberté qui vient du fait qu'ils viennent d'ailleurs. Voilà. Une petite réaction par rapport au film? Écoutez, moi j'étais venue un peu comme ça à l'improviste en fait. Et c'est vrai que j'étais agréablement surprise. Et voilà, je suis ressortie très conquise de ce film et des acteurs. Merci beaucoup, merci. Bonsoir, une petite réaction par rapport au film? C'est un très bon film, il faut aller voir, vraiment, c'est drôle, c'est un peu cynique, mais c'est vraiment sympa. Super, merci. Bonsoir. Comment vous avez trouvé le film? C'était plutôt bien, ouais, ça allait.
Voilà, je sais pas quoi dire de plus en fait. Je suis encore dans le truc du film pour l'instant, mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est une histoire d'amour, quoi. Voilà, après, les acteurs, c'est des très bons acteurs. Il y a de l'humour, donc ça passe très bien. Voilà, je crois que la dame avait plus de choses à dire que moi, voilà. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Génial. Ouais. Ouais. Comment vous avez trouvé le film ? Bonsoir. Le film, bien. Après, c'est son premier. Donc, il est un peu, c'est un essai. Bon, c'est son meilleur film, c'est son meilleur. Il a bien joué là-dessus, c'est drôle. Voilà, on était content de le voir ici, de voir Joey Starr, de voir Gérard Proust aussi. Et puis, que dire de plus ? J'espère que le 12 janvier, beaucoup de personnes se régaleront en irant le voir, en allant le voir, pardon. Voilà. Merci. Bon film, voilà, quoi dire de plus ? Pour un premier film, c'est réussi. Et je lui en souhaite plein de meilleurs, comme celui-là, voilà. Merci. Bonsoir monsieur, une réaction ? Oh ben superbe, on s'y retrouve quoi, je veux dire, bon ben vraiment, une autobiographie extraordinaire, voilà, et je me suis retrouvé quelque part. Ouais. Merci. Extraordinaire et au niveau du rythme également, pas un temps d'arrêt, j'ai été heureusement surprise et j'ai passé un agréable moment, voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup.